La semaine prochaine, demi, c'est sûr, on va le faire. Parce qu'on a des joueurs de métier, on a des joueurs d'expérience, on a des joueurs qui sont beaux, on a des capitaines de soirée, on a des capitaines
donneur de leçons, donneur de sang, donneur de sperme. De tout, de tout, de tout. Capitaine de tout. Disons qu'on a un groupe très très homogène et il y a beaucoup beaucoup de qualités individuelles. On a commencé maintenant à pouvoir travailler ensemble et ça se passe très très bien. Je pense qu'on ira jusqu'au bout. La finale. Rien que ça. La finale et même la coupe. Mais bon, on va se contenter de la finale et après. NYC France. Juste pour faire un résumé, NYC France, c'est plus ça. Là. Attends, alors, donc on va mettre Dardan et Mathieu en défense. Shams, milieu de terrain. La grosse équipe, grosse ambiance. Le meilleur joueur, il est là. Dardan, c'est mon coéquipier. De chambre. C'est mon coéquipier de chambre. Et c'est le meilleur. Le pire de chez moi, direct. On va gagner, on va aller en finale, on va gagner. Mais que ça va dur. Je sais pas. Difficile le dire avec l'accent marseillais. Il y a les autres équipes, on est là. On est claqués, mais en fait, on est là. Et c'est une très très bonne ambiance, beaucoup de potes, beaucoup de nouveaux, des gens qui charrient entre eux, c'est très cool. Et avant tout, solidarité. Pour moi, c'est non seulement c'est un plaisir, mais c'est vraiment un honneur d'être à ce niveau-là, avec un groupe comme ça. Franchement, un bon groupe, on s'amuse bien, et je pense qu'on va la gagner. Minimum en finale. Et en finale, on va tout rafler. C'est sûr, on va tout casser. Allez, comme il dit, c'est bon. I think we... Roland. We love it. Non, on... Hey, man. Franchement, je pense quand même qu'on mérite la qualification en quart de finale. On a passé une bonne première phase de qualification. Après là, je pense que sur 3 matchs, on a pris qu'un but. Je pense que défensivement, on a été solide. Offensivement, on a su quand même... Je vais pas dire, on n'a pas été ouf quand même, hein, parce que là, genre aujourd'hui, sur les 2 matchs, on a mis qu'un but. Mais au final, 1-0, ça suffit. Donc je pense qu'on a quand même fait une bonne campagne et qu'on mérite la qualification. Cette année, franchement, on est arrivé à un niveau... Au niveau foot, déjà, c'est largement mieux que les années d'avant, ça c'est sûr certain. Et après, au niveau cohésion du groupe, on a vraiment. Là, c'est vraiment une famille. Ah, il est trop lourd, lui, il est trop lourd. Après, tu ramènes des mecs comme un, c'est obligé d'être productif. Qu'est-ce que tu penses de NYC France? On est trop fort, on va en finale. Quelque chose à dire? Super groupe, super entraîneur, super joueur. Les gens sont là, les gens. Et vous savez quoi? Le pire de cette histoire, c'est qu'on va aller jusqu'au bout. On va qu'elle a gagné cette putain de merde. Et voilà! C'est pour vous, on a bien joué ce week-end, on a été assez sérieux et je pense qu'on peut faire mal en quart de finale, hein, clairement, parce qu'on a la solidarité, on a une équipe pour progresser et pour aller plus loin. On a les supporters aussi qui vont bien, donc allez. Oui. Oh là là. Tu m'as régalé, mec. Max, de qu'est-ce que tu penses de NYC France? Tu m'as déjà demandé. Mais ta gueule. NYC France, c'est les copains. C'est les copains. C'est les copains. Voilà.